Cet épisode, c'est la suite de la fondation des paroisses et on aborde la vie quotidienne qui tourne autour de l'Église. On parle aussi de la révolution de Napoléon et de la création du Royaume-Uni. L'existence de quelques familles établies loin de Saint-Scolastique et de Saint-Benoît rendait pressante l'érection d'une paroisse à proximité de la région de la Chute, qui était d'alors majoritairement peuplée d'anglo-saxons non catholiques. Cette situation semait un contexte d'inquiétude politico-religieux. Il y eut bien quelques petites querelles au moment de choisir le site de la première église, chacun désirant l'église construite dans son rang. Ce conflit fut néanmoins arbitré par le curé Jacques Paquin de Saint-Eustache. La paroisse de Saint-Hermas fut finalement inaugurée en 1834. La région a déjà presque 2000 familles installées. Mais l'évêque, là, il a bien peur à sa religion catholique parce que à la Chute, il y a des protestants. À Saint-André, il y a des loyalistes. À Carillon, c'est des orangistes. Ce qui fait que là, l'évêque, il a bien peur, il faut établir une paroisse. Mais même dans la paroisse, on ne s'entend pas sur quel bout de rang qu'on va installer l'église. Ce qui fait que la chicane, elle va être tranchée par le fameux curé Paquin de Saint-Eustache, le célèbre curé Paquin, qui va venir trancher l'histoire puis de dire qu'on va installer le village de Saint-Hermas, direct là où l'église est placée. Au début du 19e siècle, fut érigée en 1821 la première chapelle de l'agglomération naissante, évitant ainsi aux colons établis sur le bord de la rivière du Nord d'avoir à se rendre à Saint-Anne-des-Plaines pour entendre la messe. Ce lieu étant en conflit avec la seigneurie voisine, l'on décida de construire à 1,5 mille plus au nord de ce lieu, une église sur le site actuel du Parc Labelle, en considérant que cet endroit serait plus favorable au développement futur de la paroisse. C'est ainsi que le 15 novembre 1831, une importante requête, appuyée par les co-seigneurs des Mille-Îles, messieurs Dumont et de Bellefeuille, demandait à Monseigneur Panet, évêque de Québec, la formation d'une nouvelle paroisse à la rivière du Nord dans l'augmentation des Mille-Îles. L'établissement de la paroisse de Saint-Jérôme a été compliqué. Ça a pris plus que 3 ans à l'évêque à se décider parce que là, il créait un précédent. Il y avait une grande décision à prendre du fait que la paroisse couvrirait une partie de 2 seigneuries. La seigneurie des Mille-Îles avec son augmentation et la seigneurie de Deux-Montagnes. Ce qui fait que l'évêque a pris du temps avant de se décider et la nouvelle paroisse a fini par s'appeler Saint-Jérôme de la rivière du Nord. En 1834, la paroisse de Saint-Jérôme est fondée, mais il faut attendre 1837 pour l'ouverture des registres paroissiaux. Et l'ouverture officielle de l'Église remonte à l'année 1839. Autour de ce début de village, cet embryon de village, on trouvait déjà plusieurs marchands qui étaient établis, les forgerons, dès les années 1830. Là. Donc, c'était évident par la suite que s'il y avait un endroit où devait être érigée l'Église de Saint-Jérôme, c'était bien sur le site du Seigneur Dumont. C'est à ce moment-là que la chapelle va être abandonnée.
La paroisse de Saint-Colomban se distingue des autres en ce qu'elle sera la seule à majorité irlandaise et catholique de la région. Les premiers Irlandais arrivent sur la rivière du Nord, dans l'augmentation de deux montagnes, dès 1821, et deviennent majoritaires à cet endroit à partir de 1826. Ils essaiment dans les côtes Rivière du Nord, Saint-Nicolas, Saint-Patrick et Saint-Georges. En 1831, ils construisent une chapelle et demandent à être formés en paroisse. Le curé Poirier de Sainte-Anne-des-Plaines, qui a enquêté sur la pertinence de la requête, recommande à son évêque de permettre la fondation de Saint-Colomban, en invoquant, entre autres raisons, la différence de langue. Donc, on a trois peuplements différents. Le peuplement écossais et irlandais catholique ne se mélange pas. Chacun va avoir son église. Donc, on a trois peuplements différents. Le peuplement écossais et irlandais catholique ne se mélangent pas. Chacun va avoir son église. Les Irlandais protestants vont aller à la chute ou dans le canton de Gare. Les Irlandais catholiques se font construire une chapelle en 1831. Et au départ, les Franco qui habitent la paroisse Saint-Jérôme vont aussi fréquenter en bonne part l'église de Saint-Colomban. En attendant, puisque ça a été très long avant que, par exemple, la rivière à Gagnon ait sa propre église. Donc, en attendant, si vous habitez plus proche de la chapelle de Saint-Colomban, vous allez à la chapelle de Saint-Colomban. Si vous êtes plus près de Saint-Jérôme, bien, vous allez fréquenter l'église de Saint-Jérôme, ou celle, la chapelle de Saint-Antoine. Ça fait comme des mouvements de population différents. Dans la seigneurie d'Argenteuil, St. Andrews a été le premier village là, qu'on peut considérer comme créé là, autour du début du 19e siècle, là, 1800-1801, avec l'arrivée du premier moulin à papier au Canada en 1803. On avait vraiment une intention de développer une infrastructure villageoise là, dans ce secteur-là, des premiers rapides de la rivière du Nord. Il y avait de quoi faire tourner plein de moulins. Là. On parle du moulin à scie, du moulin à farine, ensuite de ça, du moulin à carder ou encore du moulin à laine. Alors, les deux premières églises de St. Andrews ont été construites à ce moment-là, en 1819. Et là, on peut remarquer derrière moi, là, ici, la belle église de Christ Church de St. Andrews, qui est encore debout, là, on entretient, puis qui est citée là, au patrimoine culturel là, des bâtiments au Québec, là, construite en 1819. Et du côté de St. Andrews, par la suite, on avance dans le siècle. Chacune des religions se fait construire cette église, son église, à tel point qu'à un moment donné, on se ramasse avec sept églises à St. Andrews. Là. Jusqu'en 1821, Saint-André ne possédait pas encore d'église catholique. Les citoyens se rendaient donc souvent à l'église protestante. En 1821, une pétition fut signée demandant à Mgr Plessis la construction d'une église. Les registres de cette paroisse n'ouvriront qu'en 1833. Saint-André d'Argenteuil devra patienter jusqu'en 1836 pour recevoir son premier curé résident, qui desservit tout le territoire de la seigneurie d'Argenteuil, le comté de Chatham, de 1839 à 1841. La seigneurie d'Argenteuil et les cantons Grenville et Chatham étaient majoritairement anglo-protestants.
chez les catholiques, aujourd'hui, l'église est, est érigée en plein cœur du village. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Il faut comprendre que le village de Carillon et St. Andrews, les deux se chicanaient pour avoir la paternité de cette église-là. Alors, en 1836, on a convenu de construire l'église en chemin entre les deux villages dans la courbe là, qui mène à Carillon. Cette église en pierre-là, finalement, a été transférée au centre du village de St. Andrews autour de 1866-67. On a eu une église là, puis celle qui est en place présentement, bon, ça se trouve être la troisième parce que les deux autres ont passé au feu. Et Carillon, eux, ont réussi à avoir une desserte de cette petite église-là qu'on a appelée Saint-Joseph de Carillon autour de 1915. Dans le secteur ouest, Grenville avait déjà été identifié par les militaires comme un lieu stratégique aussi à la tête du Lonceau. De toute façon, c'est là que se terminait le canal de Grenville. Alors, ce village-là, qui avait été réservé comme base militaire, est devenu le village de Grenville à travers la progression et le développement du canal de Grenville entre 1819-1830. La mission de Grenville causera des tracas sans nombre à l'épiscopat durant la majeure partie du 19e siècle. Sa population avait la plus mauvaise des réputations auprès du clergé catholique de l'époque. On ballottera la mission d'un desservant à un autre durant plusieurs années. Les registres de cette paroisse s'ouvrent en l'année 1839. Desservie par voie de mission, de 1838 à 1871, date de la nomination du premier curé résident. La vieille paroisse de Saint-Eustache a été démembrée à plusieurs reprises pour donner naissance à d'autres paroisses tout autour. La fondation de la paroisse de Saint-Augustin en 1840 représentera l'un des épisodes les plus mouvementés de l'histoire de l'Église catholique dans les Basses-Laurentides. Le curé Ducharme de la paroisse de Sainte-Thérèse harcèlera ses supérieurs pendant des années pour obtenir le départ de Paquin, qu'il dépeint comme un profond égoïste prêt à s'opposer à n'importe quel prix à tout démembrement de sa paroisse. C'est sûr que la paroisse de Saint-Eustache, elle est très grande. Ça couvre un grand territoire, puis le curé Paquin, lui, il veut garder ses ouailles. À Sainte-Thérèse, le curé Ducharme, qui a lui aussi un gros égo, puis en bel âge, aimerait ça agrandir aussi son territoire, ce qui fait que les deux curés aux gros égos, qui ont beaucoup de pouvoir, se confondent beaucoup pour le développement d'une nouvelle paroisse, puis l'évêque va trancher en fondant la paroisse de Saint-Augustin. La paroisse est à l'origine de l'occupation du territoire et du développement urbain. Il s'agit en fait d'une petite circonscription établie par l'Église catholique dont un curé à la charge. De plus, chaque paroisse devait avoir son église et la collectivité assurait, par la dîme, la subsistance de son curé. Il faut se rappeler que la décision de construire une église impliquait des ressources humaines et financières importantes pour les paroissiens. Pour être appelé « village », une agglomération de campagne devait avoir sur son territoire au moins 40 maisons, sur une superficie de moins de 60 arpents. Les citoyens s'identifièrent rapidement à leur paroisse, nourrissant ainsi le désir de se distinguer des autres. En bref, la période 1780-1820, la région des Laurentides vit sa population quadruplée.
le territoire n'avait plus que quelques mauvaises terres dans les vieilles paroisses et quelques îlots inoccupés. Au fil du temps, plusieurs colons quittèrent la région pour améliorer leur sort. Les Écossais, tout comme les Irlandais, qu'ils soient catholiques ou protestants, vont quitter graduellement autant la seigneurie de la Corne que la seigneurie du lac des Deux-Montagnes, par exemple. Et même des endroits très irlandais, comme Grenville aussi, dans Argenteuil. Saint-André-d'Argenteuil aussi, qui était essentiellement anglophone au départ, ils quittent. Ils quittent pour être remplacés plutôt par des Canadiens français. Les raisons sont multiples à ça. Tout d'abord, le flux migratoire écossais et irlandais se tarit graduellement dans les années 1850 et 1860. Certains abandonnent les terres aussi parce qu'ils sont incultes. Donc, ça va aussi bien pour Sainte-Sophie, en particulier la partie nord de Sainte-Sophie, qui est un relief assez accidenté, et Saint-Colomban. Donc, des terres sablonneuses aussi. Donc, ces gens-là n'ont pas d'intérêt à continuer à cultiver la terre. Les Écossais qui étaient beaucoup moins nombreux et qui étaient beaucoup d'entre eux étaient marchands. Les Écossais, par exemple, de New Glasgow, c'est eux qui rouvrent les moulins, les manufactures à New Glasgow. Donc, mais encore là, c'est pas suffisant. Ils vont quitter aussi pour des raisons purement économiques. Il y a un autre point aussi intéressant, c'est beaucoup d'Irlandais se font bûcherons dans les forêts du Maine. Donc, ils vont quitter, ils passent l'hiver dans le Maine, et bien souvent, ils vont trouver des conjoints dans ces régions-là. Donc, leur intérêt pour revenir est très, très, très minime. Les parents continuent d'occuper la ferme, la maison. Les terres sont pauvres, donc ils ne peuvent pas comme rediviser la terre. Et donc, l'intérêt n'est plus là. Donc, ils vont continuer à habiter, soit se faire bûcheron, ou soit aller dans l'ouest du Canada ou aux États-Unis pour vivre. Terrebonne devint la première paroisse de la région en 1723, suivie de Saint-Eustache de la Rivière-du-Chêne en 1769, puis Sainte-Anne-des-Plaines en 1787, Sainte-Thérèse en 1789, Saint-Benoît en 1799. New Glasgow accueillit ses premiers colons en 1820. Sainte-Scolastique en 1825. Saint-Hermas fut inauguré en 1834. C'est en 1834 que la paroisse de Saint-Jérôme fut fondée, puis la paroisse de Saint-Colomban en 1835. Saint-André d'Argenteuil en 1836. Grenville en 1839. Et Saint-Augustin en 1840. Oka existe depuis 1721 comme mission. La paroisse d'Oka fut érigée canoniquement qu'en 1874 et les Sulpiciens ont assuré les fonctions curiales jusqu'en 1997. Tant que Napoléon dominait l'Europe, il était généralement détesté par les Canadiens français, car il avait emprisonné le pape et représentait encore la France impie qui avait assassiné le roi et de nombreux prêtres. Mais il devint rapidement une idole de la résistance au monde anglo-saxon. C'est qui Napoléon? Napoléon, c'est un officier militaire qui a su ramener la stabilité en France après la Révolution. Il s'est autoproclamé empereur et est devenu un vrai dictateur. Il s'est battu pendant plusieurs années à l'ensemble du continent européen. Il nous a laissé comme héritage le Code Napoléon, qui a même été présent au Canada jusque maintenant. De plus, Napoléon a contribué au développement de l'industrie forestière ici au Canada.
Pourquoi? Pour empêcher la Grande-Bretagne de construire plus de navires, Napoléon a fait un blocus entre la Grande-Bretagne et la Scandinavie pour leur empêcher d'avoir accès aux ressources forestières du Nord. Alors, la Grande-Bretagne s'est tournée vers ses colonies nord-américaines pour venir chercher du bois. C'est ainsi que l'industrie forestière s'est développée dans les Laurentides. Une chance parce que le commerce des fourrures venait de disparaître. Le peuple canadien, majoritairement rural, s'appauvrit. Depuis la conquête, seule une minorité de Canadiens savent lire et écrire. Ils sont exploités par la riche minorité anglaise. Les Canadiens deviennent bûcherons, scieurs de bois et raffman au service des riches marchands anglais qui fournissent l'Angleterre en bois dans sa guerre contre Napoléon Bonaparte. Suite à la défaite de la guerre de Sept Ans, la France avait cédé la Louisiane à l'Espagne en 1762. 38 ans plus tard, sous la gouverne de Napoléon, l'Espagne rétrocède la Louisiane en échange de territoires en Italie, plus précisément en 1800. Napoléon, souhaitant renforcer le régime colonial français de l'ancien régime en Outre-mer, rétablit l'esclavage en 1802, car il désirait reprendre possession des colonies françaises des Antilles, dont certaines étaient autonomes depuis la Révolution française. Il envoya une expédition de 80 000 hommes pour briser la volonté d'indépendance des Antillais, ce qui fut un échec. 50 000 hommes succombent suite à une forte résistance et à la fièvre jaune, brisant aussi son rêve de conquérir l'Amérique. Le 3 mai 1803, Napoléon Bonaparte vend la Louisiane aux États-Unis, qui devint l'un des États des États-Unis. Le 16 janvier 1804, Napoléon a ainsi déclaré devant le Sénat français, « Les États-Unis doivent à la France leur indépendance. Ils vous devront désormais leur affermissement et leur grandeur. » On se souvient que la Louisiane était à l'origine une colonie française. Elle était formée du bassin versant du fleuve Mississippi. Découverte en 1673 par Louis Joliette et le père Marquette, le territoire fut pris par Cavelier de La Salle en 1682 au nom du roi de France, avant que Pierre Lemoyne n'y fonde la colonie en 1699.